Internet sera-t-il coupé dans le monde? La réalité d'Internet coupé dans le monde. Est-il possible de désactiver Internet dans le monde entier? Désactiver l'intégralité d'Internet reviendrait à essayer d'arrêter le débit de toutes les rivières du monde d'un seul coup. Non, c'est comme demander, pourriez-vous arrêter tous les fleuves du monde en même temps? Vous pouvez construire des barrages ou détourner des cours d'eau individuels, mais il est pratiquement impossible de les bloquer tous en même temps, car l'eau essaie toujours de trouver un nouveau chemin vers le bas. De même, Internet est une structure immense et complexe gérée par un mélange d'organismes gouvernementaux et commerciaux ainsi que par des milliards de particuliers. Il n'existe pas de point de connexion unique par lequel transitent toutes les données, et le protocole Internet a été spécialement conçu pour que les données trouvent un chemin autour des parties du réseau en panne. Mais Internet n'est pas non plus totalement invulnérable. En 2011, pendant la révolution égyptienne, le gouvernement égyptien a ordonné aux quatre fournisseurs nationaux de services Internet de désactiver le système de nom de domaine, DNS, et de modifier le protocole de passerelle frontalière de leurs serveurs. Cela a empêché tout trafic Internet à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Le Royaume-Uni a le pouvoir légal de faire la même chose en cas de crise nationale, mais ce pouvoir n'a jamais été utilisé. Et si, pour une raison quelconque, les États-Unis ordonnaient à Microsoft, Apple, Facebook et Google d'éteindre leurs serveurs, Internet équivaudrait à une fermeture pour la plupart d'entre nous. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.